Allô? Ouais, re les collègues. Vous m'entendez? Ah, il y a eu un petit souci malheureusement. Bon, au moins j'ai gardé la run telle quelle et c'est vite revenu. Allez. Merde, c'est pas forcément ça que je voulais. Ça me l'a pris en revenant sur le truc. Allez, je vais prendre ça. Bordel, mon ingénieur est tellement tanky. Alors, hop! Par contre, j'ai vraiment pas assez de nitrex, hein. Ça c'est un peu une tragédie. Merde! Run maudite de toute manière. Ça m'a perturbé les collègues. J'ai pas réussi à me focus. C'est pas grave, se remet ça fast. Go go go. Putain, dommage, j'avais bientôt les trucs level 12 et tout là. Fallait reset la run là, elle avait été maudite. Ah, c'est fatigant ce genre de conneries, putain de merde. Alors, hop. Voilà. Je sais pas, biche, depuis qu'il y a une grosse tempête là, il y a quelques mois, c'est bizarre. Ça a dû niquer des trucs. Mais ça me casse bien les couilles, je vais brûler la maison, je pense. In-game. Greux les collègues, greux. Il y a eu un petit souci, mais ouais, quand il y a eu l'énorme tempête là. Ça, la box est devenue suspecte depuis. Il n'y avait jamais de problème et là, on a de la chance si on n'a pas une fois tous les 10 jours. NP, je vais brûler la maison et aller dans les locaux de Zerator. Ce sera réglé. Alors, je vais reprendre ça, c'était bien. Non, je ne suis pas chez Free, enfin. Alors, hop. In-game, bien sûr, in-game. Ne jamais oublier le in-game. Améliorer ça encore. Heureusement que je fais pas de la solo queue League of Legends. Hein. Là ça va, c'est du jeu offline, c'est au calme. Ouais, c'est XP bien, c'est XP bien. Cette première run est assez juteuse pour le moment. Faut pas oublier de finir la quête par contre. J'ai pris. Ah ouais, j'ai pris le bonus. Bon, truc qui est pas très juteux par contre. C'est. Comment ça s'appelle? Bah, j'ai oublié. Ouais, du rayon de ramassage, c'est trop important pour avoir une expérience de jeu agréable. Si je peux avoir une deuxième amélioration, ça m'est trop bien. Le truc qui minait les murs était agréable, mais. Pas non plus ultra clutch.
Ok, ce serait bien que je finisse la quête. Récupérer plein de ressources. Voilà. Oh, trop bien. Ça, ça va me donner une bonne vitesse d'XP. Ok, je vais prendre ça. Bon bah je vais reprendre ça. Elles veulent pas se déplacer avec moi. Alors je récupère ça. On va vite aller vers le troisième overclock. Et tout ça c'est bien, écoutez. Allez, ça continue. Les artefacts où tu restes immobile peuvent être sympas. Ouais, c'est vrai. Après, je trouve que le crit, c'est toujours godlike. Ouais, j'ai testé le fusil de plasma et pas convaincant. Hein. Bon, j'ai de nouveau les mêmes armes. Ça, faut le passer level 18. Réussir à passer ces deux trucs-là level 12, ce serait bien. Ouais. Le fusil plasma level 18. On a poussé les choses à fond. Ah, le contrat ne sera clairement pas renouvelé. Merci Jeannot pour les 5 mois. Allez, on passe à level 18 le plus vite possible. Les tourelles sont quand même sympathiques. Yep. Ouais. En vrai, quand il y a des petits crashs comme ça, quand je suis sur des jeux online, c'est facile de se rendre compte parce que bah forcément le jeu s'arrête, le jeu bug. Mais quand je suis sur des jeux offline, il y a toujours entre 10 secondes et 2 minutes où j'anime dans le vide et j'ai pas encore capté que le stream avait crash, tu vois. Et vous voulez savoir comment j'ai su que le stream avait crash? Je faisais que regarder le deuxième écran et il n'y avait pas de nouveau message. Alors ça de 1 c'était bizarre. Mais le truc le plus bizarre, c'est que il s'était passé au moins X secondes de jeu et Biche n'avait toujours pas ramené sa fraise dans le chat pour donner des conseils. Et là je me suis dit, là il y a un problème là. Why not Biche n'a toujours pas écrit de message pour me conseiller des trucs. Il doit y avoir un souci. Oh, ça c'est magnifique. Ok, pour la quête, c'est ce truc là. Oups. Bon, j'ai eu un truc d'XP de fou. Faut récupérer tout le jus. Excuse-moi, Biche. En vrai, si tu veux que je sois honnête avec toi, tu l'as pas mérité. Objectivement, tu l'as pas mérité. Franchement, tu l'as pas mérité dernièrement. Tu l'as pas mérité. J'avais besoin d'extérioriser un peu. Jeu de fou, comment tu as découvert ça? On m'en a parlé. Voilà, on m'en a parlé. On m'en a parlé, on m'en a fait la propagande. Et j'ai fini par me dire, putain, c'est vrai que le jeu a l'air vraiment cool.
Est-ce qu'on lui donnerait pas sa chance? Et voilà. Ok, il y a la capsule. Bon, malheureusement, j'ai pas pu aller au bout de la quête. Allez! Merci fiston de Alderiad pour les 9 mois. Alors voilà. Ok. Ajoute 3 charges supplémentaires, c'est-à-dire 3 tourelles de plus. Augmente drastiquement la cadence de tir au détriment de la précision. Et ça peut être vraiment très fort, non? Vu que j'ai du plasma. Mais est-ce que 150% de cadence de tir, ça vaut 3 tourelles de plus? Écoutez, je vais prendre les 3 tourelles de plus et on va voir ce qui se passe. Merci M. Phoenix pour le Prime. Faut améliorer ces trucs-là et essayer de les passer level 12. Encore plus de rayons de ramassage, ça c'est bien aussi. Oh shit! Avec le 1, il pleut des balles littéralement. Oh, ce sera pour une prochaine fois. J'ai eu envie de tenter ce truc-là. C'est rigolo aussi. Plein de tourelles comme ça. Bon, un dernier truc comme ça et je suis bon. En plus, mes tourelles vont exploser tout sur la map, là. Il y aura juste à récupérer les minéraux tranquillement. Merci Nestlé pour les 9 mois d'abonnement. Allez, il y a tout qui explose. Oh la chance! Il faut la chance! Je ressens la chance. Allez, va pour ça. C'est beau ça quand même. Ok, je vais tout poser ici et je suis sûr que j'aurai même pas à miner. Bon, je vais quand même faire pour accélérer les choses, mais ça m'aide bien. Ça accélère bien les choses. Attends, il y a beaucoup de choses qui explosent là. C'est compliqué d'être tranquille. Ok, faut passer ça level 12. Popo! Très popo! La chance fait quoi? Ça augmente tes probabilités d'avoir des améliorations vraiment fortes. Et bah c'est clutch, de fou. C'est l'une des meilleures stats du jeu, je trouve. Et tu le ressens tellement quand t'en stack. T'as des légendaires comme s'il en pleuvait. Ok, il y a le boss qui est dans la place. Mais il me faut des Nitrex. Juste un petit filon et je suis content là. Bah. Entre dégâts critiques et la chance, tu prendrais quoi? Bah. Les dégâts critiques sont pas rentables sauf si t'as énormément de chances de coup critique. La chance, pas égale chance de coup critique. Hein. Et ça influe pas sur les coups critiques. Ok, ça prend ça. Oh, comment ça explose tout!
Rayon de ramassage 152%. Plus forcément la chance, le mieux c'est de l'avoir en early. Quand t'es encore susceptible d'avoir plein de levels. Pour du coup avoir plein de chances de la faire proc. Donc il faut rejoindre. Là tu vois c'est un peu tard mais il y aura encore une bonne dizaine de levels. Ça peut mener à quelques légendaires. Bon bah j'ai rien niveau Nitrex, c'est un peu triste. J'aurais dû rester un petit peu plus longtemps pour XP mais je crois que j'étais quasiment à la fin. Alors ça c'est bien mais je veux passer ce truc là level 12. Ça c'est fort. Allez, en route vers le level 12. Pourquoi pas. C'est quoi? C'est l'avant-dernier. Sur l'avant-dernier, il faut que j'arrive à passer ces deux trucs là level 12. Bah, il me faut de quoi me payer des améliorations dans le shop, sinon ça va pas le faire. Hein. Allez, le jeu, donne-moi tout le jus. Je peux pas me balader si librement que ça. Pourquoi y'a rien à farmer sur ce monde? Regardez, même là, j'ai que dalle en ressources. Pourquoi y'a rien comme ça? Non, regarde, 18, level 18, pas 21. I! Comportement mauvais. Le jeu, tu veux pas faire proc des ressources vite fait? Juste. Ok, un petit peu de ressources. Ça avance la quête. Voilà. Allez, en route pour le level 12 sur ce truc. Vitesse déplacement. Chance de coup critique. J'ai besoin de plus de ressources. Bien plus. Ok, faut poser des tourelles ici. Voilà, voir pour faire exploser ça. Encore deux fleurs. Deux fleurs et je suis bon. Putain, mais y a pas de fleurs. Et pourquoi y a rien sur cette map? Pourquoi je dois aller si loin pour trouver trois pauvres ressources à chaque fois? Je crois que c'est la fin de l'abondance. Hein. C'est la fin de l'abondance sur cette map. Ok. Ok, il y a une fleur ici. Ah bah voilà. Ok, le boss est dans le coin. Est-ce que j'ai récupéré? On est au 4. Non, j'ai pas récupéré la balise de ravitaillement ici. Faut que j'aille la chercher. Allez, on va tout faire pour casser les murs. Ok, c'est ici la balise. Il y a tellement d'XP qui traîne avec le plasma qui rebondit partout. Merci au Boboule de Xari pour les 4 mois de Prime. Ok, il y a un peu d'or ici. Et tout qui explose.
Ok, level 9, ça avance. Si je peux encore en récupérer un petit peu, peut-être. Ouais. Oh, allez, ça fera l'affaire. Pas beaucoup de Nitrex, malheureusement. J'avais déjà la quête pour la fleur. Le cri t'aurait servi à rien, ta gueule, biche. Biche, j'ai dit que tu le méritais pas, j'ai l'impression que tu fais tout pour le mériter depuis. Alors, hop. Voilà, ça, là on parle. Là, 12% de crit, là, ça fait quelque chose. Voilà. Et voilà. Bon, faut réussir à passer ce truc-là level 12 et celui-là aussi. Il y a peut-être moyen. Biche désire, hein. Il veut le mériter. En fait, il a pris sans le mériter, du coup, maintenant, il fait en sorte de le mériter. Ouais, c'est ça, faut roll avec de l'or, sinon ce sera pas possible. En partant du principe que j'ai assez de level. Ça veut pas, hein. Mais je déteste le jeu, j'adore le jeu. Ok, il y a ça, level 12. Faut passer ça, level 12 maintenant. Les deux, ce sera peut-être pas possible. Ok, il faut récupérer de l'or à nouveau pour faire des rerolls et peut-être avoir le lance-grenade au max. Je dis bien peut-être. Ça me paraît compliqué quand même. Voilà. Hein ? C'est quoi ça ? Pas compris. Putain, les bots en ce moment sur Twitch et YouTube, c'est quelque chose, hein. Alors, ouais. Allez, encore 3 levels et on est bon. Ok, il y a la balise qui approche par là. Peut-être que je vais avoir une bonne augmente. Après, en vrai, c'est sur Twitch que c'est le plus gérable, les bots, je trouve. Parce que bon, c'est rapide à trier et à perma. Oh, trop bien. Je sais pas. Ah, j'ai combien de crits? 62, allez. C'est facile de perma et d'empêcher un bot de parler sur Twitch. Bon, sur YouTube, c'est un peu plus la merde. Sur Twitter, c'est tragique, mais ça fait, je dirais, plus d'un an que j'ai pas checké le site. Sauf qu'on m'envoie un lien. Et du coup, je check en full normie sans compte. Après, le problème avec Twitch, c'est que maintenant il y a des bots qui MP les gens sur un live pour leur vendre des iPhones ou des conneries, je sais pas. Après, ça va, Twitch est assez réactif là-dessus. Ils se font ban assez vite en général, j'ai l'impression. Mais je le vois bien, les bots, parce que je dirais depuis un an, il n'y avait vraiment pas ça avant.
mais depuis un an, j'ai des fluctuations de followers qui veulent rien dire, tu vois. Bah, parfois. Et ça doit être du coup des arrivées massives de bots un peu partout, puis derrière Twitch qui les clean, avec les reports qu'ils reçoivent et des algos pour les détecter. J'aurais un jour de nulle part, boum, 200 followers, genre d'une seconde à l'autre, tu vois. D'une seconde à l'autre, je suis même pas en stream, 200 followers. Tout comme d'une seconde à l'autre, je suis même pas en stream, il y a, pouf, 50 followers qui disparaissent. Ça c'est la guerre des bots qui se passe dans l'ombre. Merde, j'ai pris une claque. Bon, je pouvais pas passer ça level 12. Mais tant pis, ça reste bien. J'ai amélioré une nouvelle arme. Ah ah! Ouais, de toute façon, ils finiront bien par développer les technologies qui rendent la vie très dure à ce genre de conneries. Là, j'imagine que ça explose avec tout le délire autour de l'IA. Mais que dans quelques temps, il y aura des trucs pour calmer tout ça. C'est un cycle. Merci Crazy Dog 918 pour le Prime. Bon, nouvelle arme de déverrouiller. Là, du coup, voilà, j'ai fait ce truc-là. Faudra faire le boomerang aussi. Ah, mais c'est avec le scout. Le scout, j'aime pas trop, mais ça peut le faire. Oh, de la mouvement speed, je clique. Bien sûr que je clique sur de la mouvement speed. Ah, ah. Mais si, why not biche pour l'abonnement offert à Pulo Chauve. Danger 5. Je propose d'y aller crescendo, les collègues. Je propose qu'on se fasse un petit danger 4, là, d'abord. Un petit danger 4 et on voit. Qu'est-ce que vous en dites? Soyez pas gourmands comme ça. Vous, vous êtes là, vous voulez, hein. Vous désirez. Alors, hop. Et hop. Moi, ce que je vous propose, les collègues, c'est là, ça se fait un petit danger 4 et ça en profite pour atteindre le niveau 55 avec l'éclaireur scout. L'éclaireur. Bon, je suis pas ultra fan de cette classe. Quoique l'esquive est plaisante. En vrai, il est pas mal. Il est quand même pas mal. Et son arme de base est plaisante. Et faut le monter 55 aussi. Faut casser des blocs de Rockenstone. Mais ça, faut le faire en plusieurs runs. Allez, vas-y le scout. En vrai, son arme de base, l'a passé level 18. Je l'ai déjà fait et c'est excellent. Donc l'arme de base du scout est clairement bonne. De toute manière, les armes de base de tous les scouts sont bonnes. Hein. T'as le fusil d'assaut, cette arme-là, le sniper. Les trois font plaisir. Je trouve le scout, c'est une bonne classe. Peut-être ma classe préférée en vrai. Puis en plus, c'est celle qui a les meilleurs crits. Ok, faut aller très très vite vers un overclock. Cadence de tir, c'est trop bien sur cette arme. Vitesse de rechargement, c'est pas mal aussi, mais pas vital du tout, tu recharges déjà tellement vite. Ok, mon perso a des tonnes de dodge. Et quand tu proc un dodge, tu es tout rapide et tu peux t'enfuir. Non, il n'y a pas de tir perçant sur l'arme de base, c'est le souci. Mais je vais compenser ça avec une deuxième arme qui envoie du lourd, genre un fusil à pompe. Il y a du tir perçant là-dessus. Je pourrais prendre ça en deuxième arme. En soi, c'est ce que je fais sur le scout de base, ce combo des deux armes, quand je veux vraiment être tranquille sur les trash mobs en early.
Ok. Je pense que le passer en électrique, ça peut être très intéressant. Je pense que ça peut être intéressant comme synergie avec cette arme de le passer en électrique. A voir comment ça évolue. Bon, après, faut faire un peu plus attention. Je suis pas dans du level 3 là. Là, je suis dans du level 4. Et ça a rien à voir niveau difficulté. Allez, très rapidement sur les overclock. C'est ça, l'électricité va compenser le manque de tir perçant, c'est l'idée. Plus va tirer profit de la quantité de missiles. Oh! Oh, ça, je peux pas le louper. Incroyable, en plus j'ai que du projectile. Je vais pas pouvoir l'ouvrir d'un coup. Ça cogne quand même, hein. Ça cogne pas mal du tout. Allez chercher ça pour les potentiels tirs perçants. Ok. Ok, il faudrait juste que je joue ça maintenant. Allez, tu peux le faire. Pas forcément sur le boss. Mais juste, voilà. En soi, ça m'arrange même que le boss soit pas touché. Ça va me permettre de beaucoup plus farm le level 1. Et le snowball se fait sur le level 1. Un level 1 réussi, c'est une run réussie. Tiens, petite ressource par ici. Il y a des ressources par ici aussi. Ça, ce sera parfait. Je manque d'un truc fort en mono-cible avec du tir perçant. C'est exactement ce que ça va me donner, ce fusil de sniper. J'aime trop les armes du scout. Je suis fan. Ok, j'ai presque un deuxième overclock. Je vais flipper un dodge. Ok, ça s'est moins bien passé que prévu, mais ça reste ok. Avec ça, je vais pouvoir prendre ça. Alors, le boss commence à s'énerver, mais il va tomber. Voilà. Ok, le dodge me permet de les feinter. Avec la mouvement de speed que je gagne derrière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner par là? C'est pas mal sur un stage 1. Non, non, non. Alors, est-ce que je vais attendre le stage 2? Avec un dodge, il faut un dodge. Putain, c'est clutch. Oh, c'est tellement clutch de pouvoir faire ça. Tu cours dans les ennemis, tu prends un dodge, t'es ultra rapide, tu finis le stage, GG. Alors, ça c'est incroyable. Ça aussi. Ça aussi. Et je peux rien avoir de fou encore. Ok, j'arrive sur un bon endroit. Ça me fait déjà tout ça. Il me faudrait du rayon de ramassage. Comme toujours. Si je peux avoir le level 18 là-dessus et que ça fasse la spirale là, ce sera vraiment la vaporisation des trash mobs. Allez, j'ai pas mal de bonus d'XP. Ça va permettre de vite scale. Gain d'XP 45% quand même, hein.
C'est fort. Alors, faut que je fasse ça. Oh, bordel. Est-ce que je vais pouvoir repousser ça et piocher ça à temps? Ouh! Le truc de ravitaillement est par ici. Ouais, les runs sont relativement courtes. Allez, on fait tomber ça. Faut aller vers le level 18 de cette arme. Il est assez clutch. Tir perçant peut-être? Let's go, j'ai du tir perçant. Ça m'en fait 2. Allez, ça avance vers l'overclock 3. La vitesse de déplacement fait rêver, mais l'overclock 3, c'est important. C'est du danger 4 quand même. Faut respecter. Allez, je vais jouer avec ça. J'aurai plein de fusils électriques. Ça fait quoi déjà? Ok. Eh ben écoutez, avec toute cette électricité, ça va y aller pour exploser du trash mob. Ça c'est pour la mission. Wouah, il est tombé tellement vite. Après j'ai pris des claques quand même, je l'ai face tank. Mmh, 9% de crit on prend hein. Surtout sur le perso qui a les chances de crit à 200% de base. Je crois que j'ai pas pris le truc de ravitaillement encore. Nice, j'ai eu un dodge. Oh, le dodge est clutch. Le dodge est clutch. C'est tout le temps ça du coup, l'overclock 18 de cette arme. Eh bien écoutez, je suis fan. Ça c'est vraiment la vaporisation de trash mob. Avec l'électricité, ça va être un bonheur. Et si j'ai pris la station de ravitaillement en fait, my bad. Oh, oh le dodge met bien. Là ce qui me manque... C'est de quoi m'occuper des ennemis un peu plus costauds. J'ai pas pu aller au bout de la quête malheureusement. Mais je rentre quand même avec pas mal de ressources. C'est ok. Deuxième run, ok. Elle aurait été très bonne si j'avais pu finir la quête. Oh, incroyable. Ça j'en avais bien besoin. Du crit, ça va continuer de scale tout ça. Ouais. Allez, ça améliore les autres armes. J'ai quoi en vitesse de minage? Ah, j'ai que les trucs du menu, je me disais bien. Bon, là, normalement, je fais quand même bien, bien mal. Combien? 152%. Allez, faut réussir à amener pas mal de ressources à la maison. Rockenstone? Bah le Rockenstone va se faire tout seul. Oh, ce qu'il prend. Ça pour améliorer les armes.
Les dodges du scout sont quand même sacrément clutch, hein. Ouais, il me faut un peu plus de vitesse de minage, c'est beaucoup trop lent là. Allez hop, ça s'occupe de ça. Faut en récupérer en haut aussi. Et faut pas oublier la quête. Je crois qu'avec ça là-bas je peux faire la quête. Voilà, ça va finir la quête avec ça. Ok, là niveau ressources ça devient vraiment pas mal. Je vais encore prendre ça. Il va y avoir une chaîne d'explosion en peu de temps. Voilà. Et je vais pouvoir partir par là. Oh, let's go, j'ai encore eu un dodge. Le dodge qui te permet de mettre une telle vitesse au mob. Ouais, c'est vrai que c'est très confort avec un bon scaling. Les 30% de chance d'esquive scalent tellement bien. Son passif scale tellement bien. Bon, dommage. J'aurais aimé un truc de dégâts, mais de la tankiness, c'est bien aussi. Allez, en route vers un deuxième overclock là-dessus. Des bonnes ressources pour les armes. Ok, le boss est dans la place. Ça flippe une esquive. Ah merde, j'en ai pas eu. Oh, ça mitraille tellement. Électrique. Allez, je mets tout en électrique. Après, tir perçant plus froid, c'était vraiment fort comme combo, mais... Je décide de vivre le rêve électrique à fond, là. Ça explose les yeux et ça fait plaisir. Oh, j'ai eu un aimant. Alors je vais prendre ça. Non, tu sais quoi, j'ai pas envie de la nerf pour les autres armes. Il faut lui donner de l'amour un petit peu. Je suis beaucoup trop au level pour de la chance. Mais je la prends quand même. Parce que la chance, ça m'est toujours bien. J'ai rarement eu une telle pollution visuelle sur ce jeu. C'est dur d'avoir une grosse pollution visuelle sur ce jeu. Mais l'électricité plus la spirale là, ça m'est bien. Merci Chicken Joel pour les 2 mois de Prime. Oh, c'est pas grave, je vais prendre ça. Et j'avance sur ça. Ok, l'avant-dernière run. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah ouais, je devais passer level 55 avec ce personnage. Bon, il me reste encore 2 stages. Il me reste encore 2 stages, j'ai pas mal de boost d'XP. J'ai pas mal de rayons de ramassage aussi, énormément même. 174%. Le niveau 55 m'a l'air de jouer. Vitesse de minage à combien maintenant? 31. Là c'est bien. Eh, ça pique les yeux par contre. Allez, tu sais quoi? Encore booster le rayon de ramassage. Pour vraiment avoir un montant d'XP absurde et valider le niveau 55. C'est l'objectif de la run après tout. Il me faudrait un petit scaling de dégâts maintenant. Quoique,
Je cogne quand même bien en vrai de vrai. Mais bon, il en faut toujours plus. Ok, j'ai proc une esquive. C'est ça, un petit artefact de crit et on est lancé. Exactement. Oh, j'hésite. Allez, biche, tu sais quoi? Je vais te faire plaisir. Ça va délayer l'overclock pour 6% de crit. Si je proc les lunettes plus tard en plus, ça va payer fort. Ok, faut passer par là, attention, ça va exploser dans tous les sens. Allez, 12% de gain d'XP, même si c'est vraiment tard pour avoir un truc comme ça. Oh shit! Ok, la balise c'est par là. Faut que j'arrive à finir la quête aussi. Faut pas oublier cette histoire. Je vais prendre la balise maintenant parce que le bonus pourrait vraiment changer ma vie. Enfin, si j'arrive à l'atteindre. Attends, je suis stuck là. FF. Oh, j'ai pris la confiance. Oh, ce jeu, faut vraiment pas prendre la confiance. Tu tombes à une vitesse. C'est vrai qu'on est sur du danger level 4 quand même. C'est clairement pas rien. Ok, il y a des petits trucs d'HP par là. Je ne peux. Je ne peux, le jeu vidéo est dur. Bon, il y avait des ressources par là, mais je peux pas les récupérer. Ok, là j'ai le temps de faire tomber. Ça a certainement tombé sur le boss par contre. Ce qui est pas forcément bien d'un point de vue au petit XP, mais tant pis. Hein. Oh! Lunettes de crit, la folie! Il me faut du crit dans tous les sens là maintenant. Oh oh, non! Oh le dodge clutch! Dodge clutch gaming, il me faut de la vitesse déplacement un peu aussi. Ça pour améliorer des armes avant de partir. Ne meurs pas, merci du conseil, biche. Eh, franchement, heureusement que t'es là, mon frère. Fait toujours plaisir d'avoir tes conseils, biche. Ok, j'ai les 55. Alors, de la vitesse de déplacement fera plaisir. Voilà, il y a peut-être du crit par là. Pas de crit. Full vitesse de déplacement, full confort. Un peu d'armure, allez, c'est parti. Ça fait proc le mob direct. J'ai combien de crit? 65. Oh, une bonne augmentation de crit et le truc est ultra scale. Hein. Ça va, c'est pas mal. C'est plus pour gérer du trash mob que ça excelle pour le moment, mais c'est pas mal quand même. Alors ici, il y a du bon petit sucre. Allez, ça va aller chercher l'œuf qui est par là. Je suis level 55 d'ailleurs. C'était ce que je devais faire sur cette map. Des ressources ? Ressources ? Ressources ? Ressources ? Qui va tomber avant de m'approcher? Fallait un tout petit peu le kite. Un tout petit peu.
Ça va prendre ça. Oh, si j'ai la poudre de crit sur le ravitaillement, la run sera chéchée. En vrai, pour une run difficulté 4, elle est passée plutôt tranquille. Et les rares fois où j'ai failli mourir, c'est parce que j'ai clairement trollé. C'est encourageant, mais faut pas prendre la confiance, parce que run difficulté 5, c'est vraiment un autre univers. C'est vraiment un autre univers. Les ressources sur le dernier stage me servent à ramener plus de crédit à la maison. Afin de me payer des améliorations. Et... Allez la poudre. Poudre égale GG. Poudre GG. Combien de crit? 94%. Alors là c'est parti. Alors là c'est parti. Dégâts critiques 342%. Voilà, ça va leur montrer à tous ces petits mobs. Voilà, ça va lui montrer au boss aussi. Ça lui montre, hein. Ça lui montre. Faut pas oublier que j'ai un bulle multi-cible. Ok, un petit dodge qui met bien. C'est la deuxième classe du scout là, c'est l'éclaireur. Et bah ce stage de niveau 4 s'est très bien passé. Bien se passer. Serais-tu le vrai biche crépusculaire qui a pris un permaban sur le stream empyréen un soir de Path of Exile? Biche. Biche. Comment tu t'es fait permaban sur un stream anglophone sur, d'une communauté Path of Exile en plus? As-tu été à tout hasard extrêmement chiant? Ça m'étonnerait vraiment de toi. Ça va prendre du crit, 10%, on est bien, 15% de base. Ok. Bon les collègues, là je vous explique ce qui se passe. Ça va, flip une run dans G5, une seule. Et si elle passe pas, ça retourne full farm sur du danger 3 ou chercher d'autres objectifs sur des maps genre ça par exemple, améliorer le lance-flamme là. Ou améliorer le pistolet à rafale BRT-7. Ou collecter 500 pièces d'or, ce genre de truc. Mais là, là je me sens d'humeur à flip. À flip une petite map danger 5. Ça peut extrêmement mal se passer. Allez, c'est parti. Sourcils froncés. Position du gamer. Ça va prendre le tireur d'élite. Chercher l'overclock. Ok, il faut le ressentir, il faut le ressentir. Il faut le ressentir. J'ai combien de crit de base? J'aime bien. Les crits et les dégâts critiques de base sont bons. Tout ça c'est bien placé. J'ai eu quelques nouvelles améliorations entre temps. Ça peut faire la diff. Ça commence bien, ça commence bien. Ça commence bien. J'hésite. Vitesse de minage je pense. Parce qu'en plus tu peux récupérer de l'XP sur les filons. Et c'est une manière safe d'XP en early. Et la vitesse de minage est quand même sacrément important.
Faut aller chercher l'overclock. Cours. J'ai perdu la run. Le mode danger 5. La mort du fun. Je crois que j'ai perdu. Ok. Le gap. Mais le gap. Le gap qu'il y a entre un danger 5 et un 2 et un danger 4. Le danger 4 est passé banal. Je pouvais grid. Je pouvais récupérer des ressources pour les améliorations et tout. Danger 5, je grid une fois. Une fois. One. Uno. Fini. C'est pas avec des améliorations comme ça que je peux potentiellement gagner. Le snowball peut être fou. Ouais. Ok, il y a la balise par ici. Oh là là. Je pourrais pas le faire en une fois, mais on essaie de faire un peu de place. Oui, le danger 5 est un peu ridicule dans ce jeu, mais... peut-être qu'un jour, je vais réussir à le vaincre. Peut-être qu'il me faudra toutes les améliorations au max. Et les astres qui s'alignent. Ok, avec tout l'XP qu'il y a là. Ça, ça peut m'aider à passer l'early avec les rafales. Faut chercher l'overclock sur le fusil de sniper assez rapidement. Ok, j'ai eu un joli crit là. Vitesse de rechargement, c'est bien. Ça peut m'aider à bien tenir ça. Ok. Premier overclock, faut aller sur l'autre. J'avais déjà rush dans une run danger level 5, l'overclock 18 du coup sur le fusil de sniper. Et c'était la run où j'étais le plus proche de gagner. Bon, ça restait loin. Mais j'étais le plus proche. Oh bordel. Ok, il y a un petit champignon par ici. Allez, vite, vite, vite. Il faut réussir à farmer le plus d'XP possible là. En partant du principe que j'arrive au bout. Mais si je peux farmer le plus d'XP possible ici, on est pas mal du tout. En faisant des petites rotations pour récupérer l'XP pardon, que j'ai laissé derrière moi. Voilà. Ouais, c'est une run 5 là. C'est une vilaine run 5 là. Allez, le deuxième overclock. Oh, ça va exploser. Oh, moi je l'ai pas pris celle-là. Ça, ça avait vraiment fait le taf. Non. Ça ressemble à Oupsi.
Ok, le plus vite possible vers l'overclock level 18. Il faut rush. Rush l'overclock 3. Et bien se passer. Non! J'ai perdu. Oh, je vais pleurer. Non, je vais pleurer. Ah, je vais pleurer. Oh shit. Oh! Oh, je le sentais bien! Je le sentais bien! Ça commençait bien, la première run était bonne! Oh! Oh! Ce mode de jeu t'interdit de courir sur des ressources! Mais le but du jeu, c'est de courir sur des ressources! Actionner Adrien, c'est de survivre parce que c'est un survivor. Non, c'est de courir sur des ressources. Silence, chose dans ma tête là. Ok, le fusil à pompe. Le fusil à pompe me met beaucoup plus en confiance, ça va le faire. Oh, poudre de crit. Ok, ok. Les choses sont en train de se passer à fond. Il y a moyen de le faire là. Je le ressens. Non mais... Laisse-moi griller des ressources au moins une fois. Une fois, juste une fois. Ok, je suis fou de qui là? Voilà. Ok, il y a des ressources ici. Faudrait que je puisse ramasser plus loin. Combien de crit actuellement? 45, c'est énorme. Ok, un overclock qui arrive. Oh, il y a tant d'XP. Ok, trop bien. Ok. Ok, un overclock qui met bien. Rayon de ramassage, trop important. Surtout en danger 5. Je dois faire tellement attention par où je passe. Je peux pas me permettre de grid pour l'XP, donc faut que l'XP vienne à moi. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Ouais, ça me manque d'un petit truc pour des trash mobs là. Ouais.
20% de vitesse de minage. Je crois que je suis en train de le ressentir également. Ok, du gain d'XP. Dans la première run, ça reste ok. J'aurais peut-être dû prendre le truc pour aller vers l'overclock de... de mon arme pour les trash mobs. Ok, faire attention à ceux qui peuvent exploser. Non, 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 non. Ah ! Fallait farmer un peu plus XP, j'ai oublié ce détail. J'étais si heureux d'aller dans la capsule. Oh, la chance. 10 de chance aussitôt dans la run. Ça, ça permet d'aller encore plus vite vers l'overclock. Mais ça, c'est fort. I. Dégâts critiques. I. Je le ressens. Je ressens quelque chose. Je ressens. J'ai combien de chance maintenant? 30 de chance. Ok, on prend ça. Ça, c'est sympathique. C'est mieux quand les mobs sont bien paquets quand même. Oh la folie! Oh, il y en a tellement, mais ils vont causer ma perte. Mince. Ok, il y a le truc ici. Il me faut des overclocks sympathiques là. Mince! Oh, tu fais un miskick, t'as envie de mettre un coup dans ton écran. Tellement l'XP est important là. Enfin, les HP, pardon. Ok. Allez, change tout. Stacking. Stacking de chance. Stacking de chance au petit late game. Je tiens bon, je fais pleuvoir des légendaires, GG. En partant du principe que ça arrive jusque là, bien sûr. Ok, ça c'est pas mal. Oh! Les lunettes de crit! Lunettes de crit récupérées plus poudre rouge. Plus. Ça c'est bien ça. Maintenant faut juste pas mourir. Just don't die, just don't die, just don't die, just don't die, just don't die. Quatre têtes. Ok. J'ai besoin de mouvement de speed. 80% de crit, hein. Non mais le danger 5, faut qu'il dose. Les claques que je suis déjà capable de mettre seraient en train de tout vaporiser sur du danger 4, là. Et là, j'ai l'impression que ça leur fait rien. Vitesse de rechargement sur le pompe, c'est excellent. Peut-être même que je peux finir la quête. Si je peux avoir le petit froid là-dessus, c'est huge. Ok, il y a plein d'XP à récupérer par ici. Ça met le petit jeu de jambes. Vitesse de rechargement.
Ok. Ok, faut réussir à rejoindre la capsule. Et je peux le faire grâce à ça. Je crois. Peut-être. J'espère. Merci. Au secours. Aidez-moi. Ok. Et maintenant, faut rester ici pour obtenir le farm sans faire de bêtises. Sans faire de bêtises. Bien se passer. Oh, oui, il me faut des crits. Ok. Rayon de ramassage, merci. Cadence de tir là-dessus, c'est bon. Ok, 67 de crit. Je peux très vite le remonter avec du Nitrex. Ok, alors ça c'est pour la quête, Nitrex ici. Ok, ça en fait pas mal. Combien de portée de ramassage? 130%. C'est du Nitra? Non. C'est du Nitrex. Plus random. Allez, faut passer par là. C'est bon, ce truc là. On va lui montrer. Ok, j'ai la quête. Et voilà, ça tombe. Overclock là-dessus. J'ai pas mal de tirs perçants avec les armes que j'ai là. Oh, imaginez, j'ai le sandwich. Le sandwich là-dedans. Ce serait peut-être possible. Oh, il y a un aimant. Oh, faudra aller récupérer ça si je ne meurs pas d'ici là. Faut pas faire de plan trop long terme dans ce mode de difficulté. Hein. Le long terme, t'es pas sûr de le voir. Hein. Bon, bah, je l'ai pas. Oh! Oh! Avec les armes que j'ai, c'est incroyable. Allez, maintenant, just don't die. Et ça va courir jusqu'à l'anneau. Oh! Oh shit! C'est la chance! La chance qui paye! La stratégie chance est en train de payer. Les légendaires sont en train de pleuvoir. Oh ouais, du recul. Bon, j'ai eu pas mal d'améliorations, mais je suis low life. Ah ! D'où il a eu la range ? Non, non, pas comme ça, pas comme ça. Allez, montre-leur là, montre-leur. Fais parler ton DPS. Ça cogne. Allez, encore plus. Oh oui, du crit. Ah non. Pas maintenant. T'as pas le droit. Oh.
tire. Tire avec ton fusil à pompe. Tire, tire, tire. Allez, un peu de... I. I. Ok. Oh là 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 là, les émotions. Bon, si je gridais pour l'XP, je perdais la game. Ça m'a rendu extrêmement triste, mais on peut pas tout avoir. Oh ouais, de la vitesse de déplacement, il est vraiment temps que j'en obtienne. Faut se soigner. Oh shit. Allez. Allez. Vite, 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 il en faut. Nitrex. Au plus vite. Conversion, chance de crit, GG. Oui, ici. J'ai grippe pour la fleur. Comportement mauvais. Comportement mal. Ok, la vitesse de déplacement met bien. Oh ouais, 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 ça je peux bien le rentabiliser maintenant. Combien de crit là? 92. Yep. Voilà. Ça XP, ça XP. Faut faire attention quand même. Je me prépare une petite sortie par ici au cas où. Ok, ils sont en train de me contourner. Nice, avec ça, je vais avoir des chances de crit. Allez, donnez. Donnez les chances de crit. Oh oui, regardez-moi toutes ces chances de crit. Oh. Non! Non! Qu'as-tu fait? Par ici? Oui. De la place. Comportement mal. Ok, les petites fleurs. Oh ouais. Non non non, il faut ça. Il faut ça, c'est mieux. On s'améliore du... De la troisième là. La troisième, comment ça s'appelle? Overclock. Ok, peut-être en passant par là. Non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Mal, mal. Comportement mal. Comportement insoutenable. Ok. Il me faut de l'overclock là. Allez, un peu d'XP, juste un peu, please. Yep. Allez, passe par là. Ok. Ça, ça c'était incroyable. Ok, la balise elle est par là. Ok. J'ai de très belles améliorations. Il faut aller chercher la balise avant que les élites meurent. Non, s'il vous plaît, pas mourir. Mourir mal.
mourir mal, mauvais, pas bien. Mais... je ne peux ? Du crit ! Parce que même si je suis capé là, je vais des... oh oui, oui, le sandwich ! Allez, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est perdu, tu peux le faire. C'est perdu, tu peux le faire. C'est perdu, tu peux le faire. C'est perdu. J'étais coincé par tous les côtés. Le danger 5 est la mort factuelle du fun. Je ne peux rien faire. Peut-être qu'un jour je pourrai lui montrer à cette difficulté, mais... mais j'ai pas envie de continuer à me rendre fou, là. Les mobs m'ont pris en sandwich, mais c'est tellement dur. En vrai, toutes les améliorations... comment dire ? C'est tellement dur que toutes les améliorations qui restent là peuvent faire la différence. Mais après, j'y étais presque. Mais là, j'ai eu les deux meilleures améliorations et c'est pas passé. Le danger 5 est si malveillant. J'ai envie de faire un petit défi là, pour décompresser. Petit défi décompression, amélioration du boomerang étourdissant Voltaic au niveau 21. Bien sûr qu'il est toujours dispo, sinon il serait pas pub. Bon après je dis ça et Quersus déconne tout le temps, mais Prozis il marche. Oh merde, j'avais pas vu, merde, il y a des abonnements. Waouh, j'étais tellement pris dans le tryhard, j'ai pas vu les abonnements. Raphaël, TKM999 et Wyrock51. Merci à vous pour les resubs. L'artefact avec les 100 de dodge peut te faire clutch la difficulté 5. C'est vrai que... il y a un défi où je dois dodge 100 trucs. Mais je crois que c'est tellement dur à mettre en place les 100 dodge que faut glitch. Faut être malveillant, faut aller sur ce mode... en danger 1, prendre le scout, prendre l'éclaireur. Voilà, comme ça on est dans une difficulté indécemment facile. Et... et faut rester sur la lave. Et proc des dodges sur la lave. Ça marche, non? Je vais tenter ce truc-là pour déverrouiller un nouvel artefact. Oh, trop bien d'avoir ça dès leur lit. Bon, après, il n'y a pas de quoi s'enflammer, c'est du danger 1. Je vais farmer les dodges un petit peu plus tard. Je vais me servir du premier monde. Bah pour snowball, logique. Et après ça va push it to the limit. Ça va farmer. Afin de... de prendre les dernières améliorations. C'est la faute de Quersus. Moi j'y peux rien. Ils ont tout le temps des problèmes sur leur site et des problèmes de stock. J'ai déjà vu avec eux 1000 fois. Et à chaque fois, c'est t'inquiète, ça va se régler, le t'inquiète en question. Ok, ça prend des petites dodges là-dessus. Hop. Faudrait avoir le petit sandwich là. On est d'accord que les 100 esquives, je dois pas les avoir sur un seul niveau. Je peux les avoir sur une run entière et c'est bon, on est d'accord. On est bien d'accord avec ça. En une run entière.
Dans ce cas-là, ça va. Putain, ça fait tellement bizarre du difficulté 1 après du difficulté 5. Le jeu est si doux, si gentil. Le jeu, il est là, il est tout gentil. Il ne veut pas mon mal en permanence. Allez, ça va abuser de ça pour les dodges. Je vais en profiter pour faire une petite run. Faut se mettre bien aux ressources. Ah là, le jeu veut totalement mon bien. Là, le jeu veut que je récupère des ressources. Que j'ai une expérience agréable. Que je déverrouille des défis. Le jeu est gentil là. Allez, tu sais quoi, ça court dans les mobs. Oh la folie! Oh, le jeu est si gentil. Faut courir dans les mobs pour que je proc une esquive et que je sois assez rapide. Putain, j'ai pas proc d'esquive. Ok. Merci MT, Fairy et Aegis Falafel pour les abonnements. Allez, écoute, ça améliore ces trucs-là. La vitesse de déplacement, ça fait plaisir aussi. Allez. Merci Asmoden 2340. La run level 5 s'est bien passée. J'ai quasiment atteint le dernier étage, si je dis pas de bêtises. Mais sur la toute fin, je me suis fait encercler. J'ai pas pu récupérer la capsule, c'est dommage. La run se passait vraiment bien. Après, je fais une pure fixette sur le tireur d'élite, mais peut-être que je devrais jouer avec une autre classe. Hein. Moi, c'est le scout de base que je préfère, mais je me dis qu'il est trop faible pour cette difficulté et que je pourrais jamais tuer les mobs. Allez, ça va chercher l'overclock level 18, c'est le plus agréable. Il faut farmer les dodges là-dessus. Oh, je fais tellement mal avec que dalle, c'est un pur plaisir. Merci. Merci difficulté 1 d'être si douce avec moi. Ouais, c'est ça, avec le mastodonte et flip la grenade, exactement. Pistolet à rafale BRT7. Allez, je l'ai pas. On va en profiter pour... On va en profiter pour level ce truc-là, level 12 si c'est possible. Mon rayon de ramassage est fou. Allez hop, ça gratte des dodges. Je suis en pur farming de dodge. Apparemment, ça déverrouille un artefact super cool. Hâte de voir ça. Si, j'ai une mission à faire avec ce pistolet. Mais je pourrais pas le passer level 21 là. Ouais. Oh, je vais les passer en électrique, ça sert à rien de les passer en froid, les trucs meurent tellement vite. Autant les passer en électrique et les tuer encore plus vite. Nice, un petit dodge en plus. Le problème c'est que même si je leur cours dedans, je peux pas farmer les dodges avec eux, ils meurent trop vite.
toute façon, la clé, c'est de rester sur le magma. Là, c'est de la difficulté 1 pour farmer un défi. Il y a un défi sur les dodges. Et du coup, tu restes sur cette map et tu farmes les dodges en boucle. C'est où que tu vois le montant de dodge que t'as eu? Bon, on le saura un beau jour. Un beau jour, j'aurai un défi Steam qui proc. Améliorer ce truc-là un peu. Il faut 100 dodges. 100 dodge au cours d'une seule run. C'est un peu beaucoup, mais bon. Et ouais, j'avoue, j'aurais dû prendre XP sur les dégâts reçus. Avec le magma, ça aurait été bien. Il est affiché en haut à droite quand tu changes de stage. Ah, dans la boutique. Attends, je vais voir ça dont tu parlais. Allez hop. Là je vois rien en tout cas. Je vais améliorer ça. Tête de l'utilitaire cool. Ouais, ça c'est incroyable. Allez. Non, au début du prochain. Au début du prochain. Ok, il y a les fleurs par ici. Allez, ça se met sur le magma et ça chill. Alors, faire passer ça en level 12 aussi. Vous avez vu ça où? C'est où que vous voyez, bordel? En haut à droite, t'avais des objectifs. Ah, j'ai eu un truc ici! Ok, ça a disparu. Bon bah je suis à beaucoup moins que prévu. Va falloir chiller un petit peu ici du coup. Après les mobs ne peuvent pas m'approcher donc ça va. Bon je pourrais pas farmer des ressources mais... C'est de la difficulté 1, ça ira. Il me reste encore pas mal de stages. Ça c'est vraiment de la merde, allez c'est parti. Après de la merde qui rebondit comme ça en difficulté 1 ça peut être bien. Parce que les mobs sont pas tanky. Allez, ça retourne par ici. Putain, c'est bizarre là, j'ai l'impression de jouer un vampire survivor. De rester au même endroit et de récupérer l'XP de temps en temps. Voilà. Mais je pense que cette merde justement peut être de la bonne merde en difficulté 1. Attends, je vais aller prendre le truc de ravitaillement vite fait. Un dodge pour aller plus vite, voilà. La lave fait quasiment que dalle en difficulté 1. Allez, ça récupère un peu de jus quand même. Histoire de...
Ok, c'est super. Donne un petit dodge là. Un petit dodge. Un petit dodge. Un petit dodge encore. Oh allez, c'est la fête. Il me faudra plus de critiques pour faire fonctionner ça. Faut monter ça au level 12. Histoire de rentabiliser la run. Allez, avec les lunettes 3%. Ça devient ok. J'ai pas dit ça, Zeta. Tu mens. Ah ah ah. Alors, ça c'est incroyable sur mon arme. Je prends ça. Alors là, normalement, vous me dites, on voit les petites dodges s'afficher avec les missions. Ok, je suis à 66. 66 dodges et j'ai encore 2 stages. Donc ça va assez large. Bon là, avec les améliorations que j'ai, il n'y a plus rien qui peut m'approcher en stage 1. Allez, faut farmer les dodges. Mais ce serait mieux de le faire dans un territoire... Voilà, faut ouvrir un petit peu la zone. On prend les projectiles, ça fait plus de chances de dodge. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas, j'esquive. Ce défi débloque un artefact qui est bien, apparemment. Et c'est le dernier défi Steam qui me reste, je crois. Non, je crois qu'il y a encore un autre truc avec le fait de dépenser de l'or. Allez, ça reste là-dessus au calme. Faut pas oublier, je peux finir par mourir quand même. Et mourir, c'est pas cool. Ça va, l'XP me régène bien. Je vais passer ça à level 12 aussi. Ça va me faire une nouvelle arme. Je pense que je suis pas loin d'avoir fini le défi là. Allez, ça c'est level 10. Je vais aller chercher la balise tant que j'y suis. Oh bah je l'ai eu. Ok, j'ai eu le défi, incroyable. Ça va me déverrouiller du contenu. Le fusil à plasma, en fait, t'as l'impression qu'il est ok parce qu'on est en danger 1, faut pas oublier ça. Je me suis mis en danger 1 juste pour farmer le défi tranquillement. C'est pas représentatif du tout là. Allez, tu sais quoi, ça va prendre ça.
Ça va vraiment mitrailler dans tous les sens. Je me permets ça parce que je suis en 1. Perdre de la MS, normalement, je peux pas. Peut-être que j'ai le temps de prendre encore un petit peu d'or. Bon, ça va one-shot le dernier stage. En courant sur les œufs, ça ira vite. Ah oui, c'est vrai, faut que je passe ça au level 12. Bof. Allez, ça speedrun cette run. Je veux sur le pistolet. Le jeu refuse catégoriquement. Je refuse de prendre un truc sur le pistolet. Je décide de bouder. Non, par contre, en vrai, il faut vraiment que je le passe niveau 12, sinon c'est trop triste. Voilà, ça récupère un peu d'or. Ça rafale tellement. Voilà, c'est fait. Alors faut pas forcément aller détruire celui-là trop vite. Parce que là justement je veux passer ça level 12. Ok, c'est passé level 12, je peux aller le casser. Voilà, il faut s'occuper de lui. Bon, ça va être un peu ridicule parce que difficulté 1. Bah voilà, il a même pas pu charger une fois. Allez, j'ai déverrouillé de nouveaux trucs, un artefact et une arme, c'était rentable, et ça me fait un petit défi. Alors c'est quoi ce truc là? Graisse pour armure. J'imagine que ça file plein d'esquives. Non, il n'y a pas de mode endless encore. Alors, j'ai déverrouillé ce truc-là. On pourrait voir pour les petits défis à faire maintenant. Histoire de farm, en s'amusant. Alors ça, améliorer le boomerang étourdissant voltaïque au niveau 21. Bah écoute, ça pourrait faire ça. C'est une idée. Ça, c'est quoi ? 2000 blocs. Le lance-flamme au niveau 18. Je crois le lance-flamme, le foreur, il peut vite le déverrouiller. Allez, je vais faire cette petite mission. C'est bien lui qui a accès au lance-flamme. Je me suis pas trompé, j'espère. Après, je crois que l'ingénieur a aussi accès à lance-flamme. Mais lui, il y a moyen de l'avoir en arme niveau 5, non? Ouais, il peut l'avoir en arme level 2. Enfin, je vais tenter de passer son lance-flamme level 18. Ah, le 2 peut l'avoir en arme de base. Ah, mais j'ai pas le 2 encore. J'ai pas assez joué cette classe. Bon, au pire, si ça passe pas là sur cette run, je le ferai sur la deuxième classe du coup. Ah bah il l'a pas. Bah je vais en profiter pour passer ça level 12. La run est finitex, mais ça va me permettre d'améliorer des nouvelles armes et de level up cette classe. Non, pas reroll, j'ai envie d'améliorer cette arme, on n'est pas pressé. Vous êtes pressé, ça votre problème.
Ça reste une run sympa, je déverrouille une nouvelle arme, je farme plein de ressources, j'XP cette classe. Vous me dites qu'il y a une classe qui peut avoir le lance-flamme en arme de base. Et bah autant faire le défi avec cette classe, ce sera beaucoup plus simple. Il y aura pas de prise de tête. Hop. Hop. Ok, j'ai déjà pas mal de ressources. Cette arme t'a l'air un peu popo. Moi elle m'a l'air pas mal. Mais on peut pas la juger encore. C'est impossible de juger à ce stade. Faudrait voir avec les overclock et tout. Ça a l'air de faire mal, je trouve. Alors, qu'est-ce que c'est que cet artefact? Nouveau truc que j'ai déverrouillé. Ok. Quand tu te déplaces, t'as plus de chances d'esquiver. C'est pas mal en vrai. Se cumule jusqu'à 5 fois. Ok, ça peut être vraiment intéressant comme truc. Ah, ça peut être vraiment très intéressant. Je vais essayer de full améliorer cette arme parce que dans mes souvenirs elle est quand même vraiment pas mal et ça va me permettre de carry la run. Allez, ça va améliorer ça aussi. Ouais, c'est vrai que sur le l'éclaireur là, ça permet d'avoir un sacré montant de dodge cet artefact. Et sur toutes les classes ça peut être intéressant. Bon, si j'arrive à récupérer encore plus de ressources, la vie est belle. Y'a pas des petits filons qui traînent par là. C'est un joli légendaire, mais j'en ai pas besoin. On va essayer de passer ça en level 12. Non, pour le coup, cette arme-là m'a l'air vraiment très forte. Hein. À voir comment ça évolue. Pas mal d'XP qui traînent par là. Faudrait que je puisse ramasser de plus loin. Il y a aucun filon qui traîne sur la map. Je crois qu'il n'y a plus rien. Putain, il n'y a vraiment plus rien. C'est triste. C'est vrai que l'arme tape à travers les murs. Si je comprends bien. Et ça, c'est extrêmement fort. Ok, ce truc-là va mourir. Je vais améliorer ça. Non, moi j'ai l'impression que les dégâts de base de ce truc sont vraiment élevés. Curieux de voir les overclock. Bah tiens, c'est avec ça que je devais jouer, mais je l'ai même pas passé level 12 une fois. Autant profiter de cette run pour passer ces deux armes level 12 et déverrouiller de nouvelles armes. Mais je pourrais pas le passer level 21. C'est level 21 qu'il fallait? Non, level 18. Je pourrais pas. Alors. Bah, j'ai deux trucs de rayon, donc ça peut être bien. Je vais avoir besoin de pas mal d'XP, donc ça peut être bien aussi. Faut que j'améliore ça et ça. Il y a peut-être encore un autre truc à prendre. Voilà, super. Ça l'avance de fou. Encore deux et je l'ai level 12. Allez, faut reprendre toutes les ressources du monde. C'est vraiment la classe pour faire ça de toute manière. C'est quoi là? C'est que le deuxième stage. Oh parfait, elles sont coincées ici. Voilà, tranquille à farm.
voilà, j'améliore ça, c'est le truc là, on veut le passer au level 12. Il y aura peut-être moyen qu'avec l'XP de cette run, je déverrouille la classe qui a le lance-flamme de base. Alors, ouais, encore deux et j'ai le level 12 là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est vraiment bien. En plus, le crit sur des armes qui permaproc comme ça, ça peut être rigolo. Je vais améliorer ça. Voilà. Tiens, petit truc d'HP par ici. J'ai pris quelques claques. Je vais améliorer ça. Et je vais le passer en feu. Allez, ça passe tout en feu. Je brûle les adversaires. Ici, il y a un bon filon. J'ai fini la quête, j'ai récupéré le truc. Non, la run d'Angé 5 est vraiment passée à peu de choses près. Hein. Mais je n'ai toujours pas réussi. Je suis parti farmer d'autres trucs. Et déverrouiller quelques défis. Voire pour d'autres classes aussi. Parce que je l'ai toujours tenté avec le tireur d'élite, la run niveau 5. Mais peut-être que je vais préférer d'autres choses. J'ai pas assez de range pour ramasser. Dommage, toujours pas. Bon, presque level 12. Et du coup, sera réglé pour cette arme. Faudra passer au lance-flammes. Et après, faudra voir pour la quête. Là, c'est juste une petite run de forme. Pour XP la classe. Et XP des armes, ça reste très utile. Non, toujours pas. Allez, on avance vers le level 12. Les trucs avec l'acide, ça m'a l'air fort, ouais. Mais j'ai eu envie d'être full feu, là. Ok, voilà, c'est level 12. Nouvelle arme de déverrouiller. Faudra voir ce que peuvent donner les overclocks là-dessus. Pareil pour le lance-flamme. Faut passer ça level 12 maintenant. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit peu d'HP. Curieux de voir ce que ça donne en early avec le lance-flamme. Tout ça, j'ai déjà... Allez, tu sais quoi? J'ai pas mal d'armes à rayon. Ça va prendre le truc en acide. Attends, j'ai mis un dodge. Ah mais oui, c'est parce que j'ai un artefact. Alors, j'espère que je vais avoir une amélioration pour du rayon de ramassage dans le shop entre les missions. Il y a tellement de trash mobs en level 5 que je me demande si le scout est pas mieux que le tireur. Bah le truc, c'est que t'as l'impression qu'il y a plein de trash mobs parce qu'ils s'acculent, parce que j'arrive pas à les tuer. Et une balle avec le tireur... Les démonte tous. Et je pense que d'un point de vue potentiel de dégâts, surtout si j'ai les bons artefacts, c'est impossible de battre le tireur. Après avoir, j'aime bien le scout de base. J'aime bien l'éclaireur avec son arme de base aussi. Le problème c'est que son arme de base a pas de tir perçant. Donc il faut améliorer ça. Je vais reprendre ça un coup. Ok, super. Ah, il était temps, voilà, là on va pouvoir jouer. Et de la vitesse de déplacement, super. Bon, j'ai tout ce que je voulais pour finir cette run de manière agréable. On va pouvoir se faire plaisir un petit peu là.
Ok, il y a des petites fleurs ici. Essaye de lancer plein de 12. Bah, de toute manière, il faut que je l'amène au 12 pour déverrouiller les améliorations. Ça fait partie des trucs que je dois faire cette run. Ouais, la quatrième arme est dégueulasse. Et je crois qu'elle est pas mal. Mais elle fait des drôles de bruit. Et un drôle de visuel. Putain, ça va tellement vite. Allez, j'améliore ça encore. Oh, trop bien, il y en a deux. J'aime trop ces ressources. C'est les ressources qui te permettent d'avoir de la chance et donc d'avoir des runs bénis. Après, j'ai bientôt tout ce qu'il faut là, niveau chance bonus dans les améliorations. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus de jus à récupérer sur cette map? Ça c'est tombé, je l'ai pas encore récupéré. Hop, ça c'est level 8. Faut juste le passer level 12 et il me reste encore 3 stages en comptant celui-ci. Donc j'ai l'arche qu'il faut. Ah, tant pis pour la chance. Ok. Attends, je vais peut-être perdre la run là à cause des explosions. Il y en a un petit peu beaucoup là. Attends, je me suis un peu coincé aussi. Ok, il y a moyen de mettre une petite arnaque par ici. Ouais. Améliorer ça. Merde, il arrive par ici. Après, attends, je peux peut-être me faire un chemin par ici. Ouais, encore plus. C'est tellement agréable. Un dernier truc sur le lance-flamme et je l'ai niveau 12. Voilà, super. Deux armes de déverrouiller en une run, ça m'est bien. Maintenant, faudrait aller check le truc du ravitaillement avant de tuer le boss. Mais je suis trop loin, du coup. Ça ne m'indique pas sur la map encore. Peut-être que c'est en haut. Ouais, le clear de la deuxième arme sur les trash mobs m'a l'air d'être intéressant. Et faut pas oublier qu'il n'y a pas les overclock encore. Donc l'arme peut clairement pas montrer ce qu'elle vaut. Mais ouais, ce truc là m'a l'air fort. Merde, j'ai loupé un overclock de niveau 3. Bon, c'est pas grave. Allez, il faut partir par là. Oh non, il y a tant d'XP derrière. Il y a tant d'XP derrière, mais je commence à être un petit peu low life. C'est bien sur les rayons, ça. Ah, dommage, j'avais bien un ou deux... Allez, deux trois même, deux trois niveaux qui étaient de côté, là. La cadence de tir. Voilà. Le crit. Tout remplacer. Je crois que j'ai augmenté la portée des rayons, ça a l'air fort comme amélioration. Et un petit peu d'armure. Allez, c'est parti. Alors...
Ok, Légion TVG. J'ai vu ton message. Là, mon plan, c'est de trouver la classe que je préfère à 100% et qui est forte. Et une fois que ce sera fait, déverrouiller toutes les améliorations du menu. Je suis plus très loin, mais c'est les dernières, donc ça va prendre du temps. Et il faudra vraiment déverrouiller toutes les armes. Parce que là, j'ai un semblant de stratégie avec le sniper. Et franchement, plein de fois, c'était à deux doigts de passer. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Je suis pas à l'aise avec son arme de base. Alors, hop. Il faudra voir aussi les autres sous-classes. Parce que j'ai pas déverrouillé toutes les sous-classes, là. Mes rayons peuvent aller vraiment loin. On va voir ce que ça fait sur les mobs. J'ai combien de crits? 47%. En vrai, ils prennent. Attends, mais il y a vraiment un truc qui s'est mis en place, là. Ok, encore plus de crits. Irish Banger, merci beaucoup pour les 15 mois de Prime. Oh, il y a des petites ressources ici. Là, vraiment, quand je les emmène dans un tunnel et que mon arme de base peut tirer, ils rigolent pas trop. Comment ça mitraille? Avec ça, je peux me remettre quasi full. Non, ce perso, je le joue, quasiment jamais. Du coup, d'un point de vue overclock, là, il n'y a pas trop ce qu'il faut. Mais ça ira mieux déjà avec ce stage. En vrai, si j'ai vraiment beaucoup de chance au niveau des levels, je peux le passer en level 18 sur cette run. En vrai. Voilà, boum, level 14. Parce qu'après tout, je dois juste l'améliorer au niveau 18. Overclock ou non. On s'en fout d'avoir les overclock en vrai. Enfin non, ce serait beaucoup mieux de les avoir. Mais ce que je veux dire, c'est pour la quête, on s'en fout. J'aurais pas dû reset. Après, j'ai l'impression que je commence à galérer à tuer les mobs là. Je crois que c'est un peu plus que la pression. J'étais en range d'explosion, merde. Je sais pas, les mobs ils tombaient plus. Bon, au moins j'ai déverrouillé les deux armes. C'est vrai que c'était quand même compliqué sans les overclock. Et j'ai déverrouillé la classe. En soi, j'ai déverrouillé tout ce que je voulais. J'ai déverrouillé la deuxième classe et les deux armes. J'aurais aimé aller au bout, mais tant pis. Alors du coup, tac, tac. Et lui, de base, il a l'arme qu'il faut, du coup. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, lui? Déjà, de base, cette classe, elle a quoi? Oui, la vitesse de minage, c'est de base. Et lui, c'était quoi? Ok. Et lui, il a quoi, du coup? Moins 30% de dégâts, mais 100% de dégâts des effets de statut. Alors, les effets de statut, c'est quoi déjà? C'est feu, acide, électricité, je crois. Du coup, faudra vraiment jouer sur ça. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne les overclocks aussi. Peut-être qu'avec les overclocks, ça peut devenir vraiment intéressant. Robact, merci pour le prime. Non, pas le froid, biche. Pas le froid, biche. Enfin, quasiment sûr que le froid, c'est pas considéré. C'est pas indiqué, en tout cas, quand t'as un truc sur les effets de statut. Ça te met vraiment feu, acide, électricité, pas le froid. Hop. Bon, ce perso commence avec le lance-flamme. En vrai, ça a l'air incroyable pour les trash mobs. Peut-être que l'early game avec ce perso est fou.
Et même si t'as pas la classe contre-maître, t'as quand même la vitesse de minage. Ok, je commence avec un truc épique, ça m'est bien. Ok. Alors qu'est-ce que ça donne dans une marée de trash mob? Ah, il tombe vite hein. Il tombe vite. Ok, la balise elle est en bas. J'essaie de me faire plein de ressources. Histoire de bien snowball sur le premier stage, comme d'habitude. Puis en soi, si le template rayon là, qui part de tout en plus devient vraiment fort, ça doit être agréable à jouer. Je vais jouer avec ça. Le perso jouait beaucoup sur le feu et l'acide. C'est ça, hein. Le bonus de cette classe. Ah non, donne accès aux armes feu et acide. Et ça augmente du coup les effets de. Les dégâts des effets de statut. Mais du coup ça marche sur ce que j'ai pris. Allez, ça va y aller en full rayon. Ok. Alors il y a quoi dans les overclocks? Un rayon de plus. Non, je vais prendre le rayon de plus, elle est rigolo. Voilà, plein de rayons. Je vais essayer de chercher des overclocks rapidement. Faut aller voir pour la balise de ravitaillement aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Allez! Je vais tenter d'opti les rayons en crit. J'ai combien de crit là? 45%? En vrai, ça peut être rigolo. Full dot, full crit. DPS de zinzin. Ok, je vais prendre ça. Oui, c'est vrai que ça commence à faire pas mal de réductions, mais NP, bien se passer. Voilà, encore un rayon de plus. Pense au scaling, biche. Regarde le scaling, regarde-moi ça. La puissance. Hop. En vrai, il tombe, hein. Il tombe à une vitesse. Attends, mais il tombe. Mais il tombe pour de vrai. Ok, ça cogne. Ça cogne vraiment très fort. La durée de vie des rayons, ça m'a l'air très fort quand même. Allez, je vais essayer de prendre le dernier overclock assez rapidement. C'est que des armes lourdes que j'ai, je crois. Ouais, de la vitesse de déplacement ferait plaisir aussi. Améliorer ce truc-là. Ok. C'est vrai que c'était que le stage 1, bordel. C'est vrai, ça. Allez, il me faut full ressources. De la portée des rayons, ça ferait trop plaisir aussi.
Parce que ouais, le souci c'est que là je suis vraiment short range et du coup les mobs qui explosent, bah ça fait pas plaisir pour ça. Hâte de voir c'est quoi le troisième overclock. Il me faut encore deux fleurs. Donc il a balisé par ici. La quête, c'est fait. Ça, c'est ceux qui explosent. C'est pas mes meilleurs potes avec ce template. Tout ça, c'est des trucs qui est fait de statues, non ? Acide électrique, on prend. C'est ce qui marche avec le passif du perso. Yep. Allez, faut que ça explose par ici. Dommage. Je vais pas prendre le truc qui fait que je me traîne là. Ça va être trop compliqué sinon. Des chances de crit. J'en ai besoin avec les trucs que j'ai pris. Ok, faut jouer sur les tunnels. Je peux les DPS même en étant dans les tunnels. Il faut les récupérer le jus. Rayon de ramassage a pas été augmenté, je me disais bien. Ouais, j'ai fait les 100 dodge. Là, je suis en train de faire un nouveau petit défi avec ce perso. Oh, ça va plutôt aller chercher le dernier overclock, hein. Ça se trouve, c'est la folie. Très décevant. Très décevant, une fois de plus. Je vais prendre du crit. J'ai les lunettes après tout. Ça veut pas, hein ? Ah, ça c'est magnifique. Acide, électrique et incendiaire. Allez, je prends. L'overclock va attendre un petit peu. Faudrait que je puisse ramasser de plus loin maintenant. Ouais, je peux crit sur les dots, quasi sûr. Vu comment je cogne, je pense que oui. Tiens, il y a un petit filon par ici. Allez, faut lui montrer à lui. Voilà, bon, maintenant va falloir sortir de tout ça. Oh, il y a un aimant. Hâte de voir. Ah bah, il y avait pas grand chose sur la map. En même temps, j'ai pas beaucoup de range. Donc forcément, je les tue de pas très loin. Ouais. Oh shit. Améliorer les rayons. J'ai que des rayons. Ah non, c'est pas un rayon. Ouais, mais toi, on s'en fout de toi. Toi, on te calcule pas. T'existes pas, toi. Ouais. Oh. Non, je veux encore plus de rayons. Ok. Durée de vie des rayons. Ok. C'est vrai que c'est très rare les aimants dans ce jeu. Ok. Il y a pas mal de rayons là.
ça met bien. J'ai coup en crit, 57%. Voilà. Ah, je peux vraiment me balader dans les trash mobs. Hein. Est-ce qu'ils peuvent m'approcher? Je crois qu'ils peuvent encore un peu m'approcher. Oh, c'est un rayon, ça aussi! Allez, encore un rayon. Plein de rayons. Par contre, je dois vraiment me méfier. Je suis 6 short range. Je vais améliorer ça. On va voir c'est quoi le deuxième overclock. Du coup, la mission là, c'est fait, non? Ouais, c'est fait. Yep. Voir c'est quoi l'overclock pour ça aussi. C'est une arme que je viens de déverrouiller. Bon, je dois récupérer plein de jus. Oh non, ça va exploser. Ouais. Ça veut bien de tout voir fondre. Bon. Faut que je m'occupe des quêtes et des ressources un petit peu là. Faut faire des sous là, ça fait pas assez de sous. Je vais avoir besoin de plein de nitrex pour améliorer mes armes. Et peut-être avoir l'overclock là-dessus. Et un autre là-dessus. Ouais. Noah le SDF. Merci pour les 4 mois. Casse Babar, merci à toi pour l'abonnement. Ok, alors... Oh oui, rayon, je prends. Quand je vois plus un rayon, je prends sans me poser la moindre question. Il faut avoir le plus de rayons possible. C'est la clé du bonheur. Voilà. Oh nice. Ça me fait les crits de bonus. Ah là, je pense qu'il y a vraiment moyen de parler là. J'ai 74% de crit avec les lunettes. Il y a un petit problème, c'est que là il y a tout qui va exploser et je suis short range. Oh oh, je crois que c'est la fin. Ok, c'est peut-être pas la fin. Là, ce qui manque vraiment, c'est de la portée de rayon. Il y a des améliorations comme ça en plus. Non, c'est pas de la portée. Moi, je veux de la portée de rayon. Il faudrait que les rayons ils fassent l'écran. Imaginez ce build avec les rayons qui font quasiment la taille de l'écran. La vie serait si belle. Allez, ça va chercher les overclocks. Allez hop! Nifazit, merci beaucoup pour le prime. Oh, il était temps. Il était temps que j'ai de la portée pour ramasser. Et regardez ça. Voilà, portée de rayon. Dégâts critiques. Non, je veux pas améliorer celle-ci. Putain, ça force, hein. Ça veut que me donner celle-ci. Oh. Vitesse de rechargement. I. Augmente la vitesse de rotation.
Non. Ça va rotate. Merci Pouco pour le prime. Le train de la hype approche. Abonnez-vous et offrez des bits ou des abonnements pour démarrer le train de la hype. Oh, ça a l'air trop cool, ça. En plus, il y a pas mal de petites sautes de crash de stream ces deux derniers mois. Ah, si seulement je pouvais prendre une nouvelle box, ça me demanderait 1800 abonnements, je pense, ça irait. C'est à peu près le prix, je crois. Ça va peut-être monter entre-temps, mais je crois que c'est ça le prix. Alors. Ça, c'est quoi, ça? Ouais, c'est ce que je voulais prendre. Ah, ah. Merci. Yak4 et Toyshiro pour l'abonnement. Voilà. Dashus, merci beaucoup pour les 5 subs que tu as offert. Et j'ai plus de sous, il faut continuer. GG Spot, merci beaucoup pour le Prime. Merci Naughty59 pour le Prime. Attends, je suis à combien là? Rayon de ramassage 84%, c'est pas mal du tout. Merci Venteur140 pour le Prime. Oh, cette quête, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Putain, ça a pris du temps. C'est vrai que c'est pas le contre-maître. Et ces trucs-là, c'est tellement long. Alors, est-ce que je peux vaporiser les trash mobs? Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, les trash mobs sont bel et bien vaporisés. Une tasse off. J'ai du bas 35. Merci pour les 2 mois de prime. Attends, mais regardez la vitesse à laquelle il tombe. Imaginez avec plus de coups critiques. Ce build avec la difficulté 5. Non, avec la difficulté 5, les mobs seraient trop tanky et ils auraient le temps de m'approcher et ce build marcherait pas. Tellement pas de range. Portée de l'arme, oui. Il faut augmenter la portée des rayons. C'est la clé pour rendre ce build safe. Il faut aller récupérer le jus. Ok, on va voir c'est quoi le deuxième overclock là-dessus. Go remplacer là, go chercher des overclocks. Allez, va pour ça. 3 rayons! Plus 3 rayons! Oh mon dieu! Regardez-moi ces rotations, regardez-moi ça! Augmente. Non, ça c'est que sur l'acide. Oh ouais! Ça, c'est beau, ça. Ok, tout explose. Faut se méfier des explosions, quand même. Tiens, de la vitesse de déplacement fait plaisir. Toujours confort, de la vitesse de déplacement. Ouais! Il me faut des crits. Je suis à combien, là? 89%. Là, on va parler. Merci, Tayred, pour les 3 mois de Prime. Allez, faut aller chercher d'autres ressources. Peut-être que ça va être clutch pour certaines améliorations.
Voilà. Voilà. J'ai un truc maintenant, plus j'ai d'or, plus je fais mal. Le boss est tombé. Ok, c'est par ici que je dois partir. Et voilà! Oh, il y a une perle et c'est trop bien. Tiens, je vais regagner un peu d'HP. Et voilà. Hop. Ok. Qu'est-ce que ça fait, ça? Augmente la longueur du rayon, mais réduit sa largeur. La largeur, c'est plus important que la longueur, je crois. Du coup, je sais pas trop, là. On pourrait voir, écoutez, on pourrait voir. Ah, je vais tenter ce truc-là. Rayon de ramassage. Ok. Oh, ça aurait été bien, ça. Je parlais du rayon. Je parlais du jeu vidéo. Vous avez l'esprit mal tourné. Voilà. Tac, tac, tac. Faut aller s'occuper des petits œufs là. Attends, j'ai combien de chances de crit? 87%. En récupérant des ressources, je peux monter à 100%. Non, il faut pas le lance-flamme level 21. Tu es anxieux, regarde, level 18. Toujours vous croyez ça dès qu'il y a une quête ou une arme. Mais la plupart du temps, c'est level 18. Bien se passer. Alors, hop. Attends, mais par contre, la longueur est folle. Je peux vraiment attaquer les mobs de loin maintenant. Ça fait plaisir. Si je peux avoir plusieurs rayons sous les autres upgrades, serait magnifique. Je vois pas trop vous parler. Et puis, c'est n'importe quoi. Un sourire ne peut pas s'entendre. Et c'est vrai que ça tire à travers les murs. C'est extrêmement fort, ça. Non, par contre, je fais face à beaucoup de diffamations là, ça me fait du mal. Si jamais vous avez un abonnement Prime qui traîne, ça ferait vraiment plaisir des collègues, parce que là, je vais avoir besoin de me payer un avocat pour me défendre là. Les accusations de mon chat, ça commence à bien faire là. Ok, la valise est tombée par ici. Attends, mais là, les trash mobs, j'ai même pas le temps de les voir, en fait. Je peux leur marcher dessus. Ok, il y a du crit à prendre par ici. Faut faire tomber ce truc-là aussi. Yep. Allez, je vais prendre ça, écoutez. Hein. Alors. Ouais, ça tombe bien. Attends, mais ce qu'il prend? J'ai combien de crits? Attends, faut pas mourir bêtement sur la fin là. 97% de crit, ah bah ouais. Couplé à tous ces dots, à tous ces rayons. C'est vrai que je peux l'attaquer à travers les murs, mais faut que j'ai de l'espace pour esquiver ses charges. Voilà. Un petit peu d'espace pour esquiver les charges, idéalement.
Attends, mais je le fais complètement fondre. C'est que des armes lourdes. Ah non, c'était que ces deux-là. Ouais. Les deux premières armes, c'est du lourd. Et voilà. Bon bah let's go. Un petit défi de déverrouiller en plus. Et ça me fera de l'XP sur cette classe que j'ai pas mal mis de côté. Pour déverrouiller un jour peut-être la troisième sous-classe de cette classe. Bon, faudra voir pour un autre petit défi maintenant. Alors... Attends, c'est tout? Ah, mais c'est parce que c'était que du level 2, du coup les mobs avaient pas vraiment le temps de stacker mon montant de DPS.